diable haut. Le saint des dieux s'en nourrit. Il invite son peuple élu. Viens dîner. On peut se lever. Il nourrit avec sa main pour voir à tous nos besoins. C'est bon des soupes avec lui tout le temps. Oh, viens dîner, le maître appelle. Viens dîner, alléluia. À sa table tout le temps, lui qui a nourri la foule, échangé de l'eau en vin, un appel à la famille, viens dîner. Allons devant le Seigneur, mon béni. Dans Colossiens chapitre 1er, mais cette fois-ci nous allons faire une longue lecture. Nous allons lire du 12e verset au 27e. Et puis nous lirons dans chapitre de Colossiens chapitre 2 les trois premiers versets. Et Colossiens chapitre 2 et 1er. Et dans Apocalypse 10 le 7e verset. Ufunuo sura ya 10 mstari wa 7. Nous lisons. Tunasoma. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Tukuzeni Mungu mwana mpatia kwa bahati ya mwe kuhudhuria kui uriti wa watakatifu munuru. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son fils bien-aimé. Anatukomboa mufalme wa giza na anatunyanyua mufalme wa mwanae mpendwa. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Amamu tuna ukombozi na usamehe wa dhambi. Le fils est l'image du Dieu invisible. Mwana ndiye picha ya Mungu asionekana. Le premier né de toute la création. Muzaliwa wa kwanza wa maumbile. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et toute chose existe en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Le premier né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux,
en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sur le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Na Mungu alitaka kubajulisha utukufu kubwa wa utajiri wake, utajiri ya siri yake miongoni wa wapagano, kujua Kristo ndani yenu ni tumaini ya utukufu. Vous asseoir, nous allons continuer. Ikaleni, tutaendelea na usomi. Chapitre 2, Colossiens chapitre 2. Wa Kolosai sura ya pili. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soumets, que je soutiens pour vous. Napenda mujue ya kwamba hii vita ni unamisaidia iko kubwa namna gani. Et pour ceux qui sont à Laodicée, na Dieu abale bote bekwa mu Laodikia, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, na bale bote bakone uso yangu, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, ili bakwe na mioyo kujazwa na taraja, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Na batajirishwe mu akili yote ili na ufahamu juu ya kujua siri ya Mungu, mystère Christ yenye kwa Christ, dans lequel sont cachés siri ambamo munafichwa tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Azina yote ya hekima na ufahamu. Amen. Amen. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Siri ambamo munafichwa azina yote ya hekima na ya ufahamu. Apocalypse 10, Ufunuo sura ya 10, le 7e verset, mustari wa 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, lakini kusiku ya sauti ya malaika wa 7, quand il sonnerait de la trompette, wakati atayarisha ke baragumu, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs. Siri ya Mungu itatimia gisa alitangazia watumishi yake wa nabii. Amen. Amen. Nous sommes en train d'étudier le grand mystère de Dieu. Tuko najifunza siri kubwa ya Mungu. Et notre thème c'est Christ et le mystère de Dieu révélé. Na kishina ketu ni Kristo ndio siri ya Mungu iliyofunuliwa. Je crois que depuis la fois passée, nous avons quand même découvert, nous avons déjà compris que le grand mystère de Dieu, c'est Christ lui-même. C'est ça le grand mystère de Dieu. C'est Christ. Et le sujet que nous sommes en train aussi d'étudier, nous parlons de la prééminence de Christ dans son église. Tunasema juu ya utawala wa Kristo ndani ya kanisa yake. Amen. Amen. Il faut vraiment être fidèle quand vous transmettez le titre. Il faut suivre ce que dit.
Parce que quand j'ai vu sur le site, on a écrit la prévenance de Christ dans l'église. Je n'ai pas dit dans l'église, j'ai dit dans son église. C'est différent. Il a bien dit moins de quoi indiquer mesuré bille bego na sema. Du coup, ça va vous donner un coup si tu ne utawalo à Christ au mungu ndani ya kanisa yake apana dans son église. Utawalo wa mungu mukanisa lakini ni utawalo wa mungu ndani ya kanisa yake. Ou voilà la restauration de la divinité à l'homme. Urudisho wa umungu kwa mtu. Ou bien la divinité restaurée à l'homme. Voilà umungu yeye kurudishu wa mtu. Pas dans l'homme, j'ai dit à l'homme. Kwa mtu umungu ule bana bule bana rudishia mtu. Amen. 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 Nous sommes au jour de la voix du septième. Tuko mumasiku ya sauti ya malaika wa saba. Selon la promesse, il avait été dit. Kulingana na ahadi ilisemewaka. Au jour de la voix du septième. Kumasiku ya sauti ya malaika wa saba. Les mystères de Dieu s'accomplissent. Siri ya Mungu itatimia. Quand il sonnerait de sa trompe. Wakati atadirisha yake baragumu. Quand il va porter son message. Wakati atatangaza ujumbe yake. C'est là que Dieu va révéler les mystères. Ndio pale Mungu atafunua siri. Et nous avons découvert qu'il y a beaucoup de mystères. Na tuliona sema masiri iko ya mingi. Frère Branham les a cités. Na ndugu Branham aliitaja. Il a commencé par définir c'est quoi un mystère. Alianza mbele kufasiria kwamba siri yenyewe ni nini. Un mystère. Siri. Je suis en train de répéter pour que. Hapa ndio narudia kwa sababu sema twende pamoja. Siri. C'est une vérité. Ni ukweli. Qui a été d'abord caché. Enye mbele ilifichu, qui a été préalablement caché. Ilitanguliwa kwa mbele kufichwa. Et qui est maintenant divinement révélé. Hapa sasa banaifunua mukimungu. Révélé par Dieu. Ni Mungu peke yake ndio anaifunua. Qui est maintenant divinement révélé. Sasa hapa inafunuliwa na Mungu. Amen. Amen. Et à laquelle reste toujours un élément surnaturel. Ata vile shakufunuliwa. Ata vile shakufunuliwa kunabakia tu kitu fulani kiasiyo isiyo hiyo ni Mungu ile inambatana naye. Et frère Branham a cité les différents mystères. Na ndugu Branham alitaja masiri mbalimbali. Et celui que nous étudions. Na yeye tu unajifunza. Sur sa liste, c'est le septième mystère. Mwile karatasi yake ni siri ya saba. Frère Branham a commencé à citer. Wakati alianza kutaja. C'est le septième mystère. Ni siri ya saba. Sikilizeni. Dans le message, monsieur, est-ce le signe? Mo maubiri ebwana, njo ishara. Est-ce le signe de la fin? Et njo ishara wakati ya mwisho. Dans la tradition du Canada, c'est la page 30 de 31. Mu utafsiri wa Canada ni ukurasa 31. Là où il y a des paragraphes, c'est paragraphe 244. Mafashi ile fashi kuko mama. Il commence d'abord par dire voici ce qu'un mystère. 231. Un mystère. Tu vas m'enseigner. Dans l'écriture, on est ni sir. Et sir est une vérité qui a été préalablement cachée. Sir mu maandiko ni ukweli fulani ile litanguliwa kwa mbele kufichwa. Et qui est maintenant révélé divinement. Sasa hapa inafunuliwa na Mungu. Mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Ata vile nafunuliwa kuna bakia paka kitu fulani kisio kwa ulimwengu kisha kuambatana naye. Il décide dit voici les plus grands mystères. Anasema oneni masiri kubwa. Ah, il commence par dire numéro 1. Le mystère du royaume des cieux. Siri ya kwanza, deux, ya ufalme wa Mungu. Le mystère de l'aveuglement d'Israël. Siri ya pendant cet âge. Ya upofesho ya Israël mwikizazi. Et le mystère de la translation des saints vivants à la fin de cet âge. Siri ya tatu ni mabadiliko ya watakatifu bebe kwa heshima ya wakati ya mwisho. C'est celui de l'église du Nouveau Testament formant un seul corps composé à la fois des juifs et des gentils. Ni ya kanisa ya agano jipe yenye natungwa na batu ba mataifa na batu ba bayahudi. Cinquième mystère. Siri ya tano. C'est celui de l'église en tant qu'épouse de Christ. Ni ya kanisa kama bibi harusi wa Kristo. Sixième mystère. Siri ya sita. C'est celui de Christ vivant. Ni ya Kristo mwenye kuwa hai. Étant le même hier, aujourd'hui. Na mwenye kuwa moja moja jana leo hata milele. Septième mystère. Sasa siri ya saba. C'est celui de Dieu. Ni ya, ni siri ya Mungu. Soit de Christ. Voilà ya Christo. En tant que plénitude incarnée de la divinité. Kama utele enye kujumulisha ya umungu. En qui. Ambamu. Toute la sagesse divine. Ekima yote ya Mungu.
et la divinité na umungu sont restaurés à l'homme. Binarudishwa kwa mtu. C'est ce mystère que nous étudions. Josi renye tuko na jifunza hii. La divinité restaurée à l'homme. Umungu ile banarudishia mtu. C'est ça que nous voyons. Jonye tuko. Il y a d'autres mystères qui suivent. Masiri ko mingi leko nafata. Alors nous avons voulu que comme c'est l'année de l'identification. Tulipenda savila hii mwaka ni mwaka ya utambulisho. Nous devons être identifiés à Christ. Tunapasha kujitambulisha na Kristo. Au fils et aux filles de Dieu. Tunapasha kujitambulisha na batoto banaume na banamke mama. Alors nous devons connaître que nous-mêmes nous sommes un mystère. Na tunapasha kujua kwamba kusema shi benyewe tuko siri. Nous étions cachés. Tulifichiwaka. Amen. Amen. Comme c'est le temps de la révélation de Dieu. Ni wakati ya ufunuo wa siri. Même les enfants de Dieu doivent être révélés. Hata batoto ya Mungu na baba napasha kufunuliwa. On doit les connaître. Wanapasha kujulikana. Nous étions cachés. Tulikuwa benye kufichwa. Maintenant devons être révélés. Sasa hapa tunapasha kufunuliwa. Même toi, même tu ne connaissais pas que tu étais fils. Hata wewe ukuyua kasema ulikuwa mwana. Tu dois recevoir la révélation. Na ibidi upokee ufunuo. Et croire cette révélation. Na kuamini ile ufunuo. Amen. 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 C'est ce que nous étudions. Et aujourd'hui, Léo, je vais un peu m'apesantir sur la divinité restaurée à l'homme. Mais il faut que je... Amen. Amen. Là, j'expliquais le titre. Nous avons vu que l'homme a été créé pour dominer. L'homme a été créé pour être un dieu sur la terre. Un dieu secondaire. Mungu mudogo. Amen. Amen. Il n'est pas un dieu adorable. Parce qu'on adore le créateur. L'homme n'est pas créateur. Quand vous adorez toute autre chose en dehors du créateur, vous devenez un idolâtre. Wakati unaabudu kitu kingine kisipokuwa muumbaji pale unakuwa muabudu sanamu. Ya beaucoup d'idolâtres. Babudu sanamu beko ba mingi. Ils sont nombreux les idolâtres. Beko bengi kabisa. Il y en a qui adorent l'argent. Kuko bale bona abudu franga. Il y en a qui adorent les femmes. Kuko bale bona abudu banamuke. Il y en a qui adorent, oh, ils disent, oh, j'adore la musique. Kuko bale nasema amine kama kuabudu sana mimi. Ndio comme ça tu es. Mu Kristo eko nasema bitu bya vilole ni mweku mgonzi. Il faut peser les mots. Il y a des choses, il y a des choses que tu ne peux pas, tu ne peux plus utiliser ce mot là pour n'importe quoi parce que tu es un chrétien. Kuko misemo ingine we kama mu Kristo hawezi kuanza kuisema sema. J'adore. Tu penses que c'est ça? Tu es en train de frimer. On en a c'est ma job ma divu noël on a sa mienne et comme quoi boudre. J'aime ça. C'est ma tout. Qui tu flâne la qui pendac? Mais j'adore le Seigneur. La qui ni boit na mienne et comme quoi boudre. J'adore les petits enfants. Mais comme quoi boudre bateau tout bateau. Ne dites pas ça. À part na quoi ça concerne ma bite bien ville. J'aime les petits enfants. Bateau tout na ba pendac. J'adore Dieu. Na mungu ne comme quoi boudre. J'adore. Quand j'ai mon piano là-bas, j'adore. Wakati niko na piano yangu inekamu kuyabudu kabisa. J'adore jouer au piano. Nekamu kuabudu wakati niko na kucheza ku piano. Ne dites plus jamais. Hapana kuanza kusema vitu vya vile hapo. Amen. Amen. Quand vous dites ça, vous devenez idolâtre. Wakati unasema vitu vya vile unakuwa mwabudu sana. Et les idolâtres n'entreront pas au ciel. Na baabudu sana mwabudu kuingia mbinguni. On adore le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, amen. Dieu, l'homme a été créé un dieu. Mungu mutu aliumbwa pour Mungu dominer. Dieu kutawala. Pour commander. Dieu kuongoza. Mais à cause de la chute, sasa Dieu kuanguka. L'homme est tombé. Mutu akaanguka. Amen. Amen. L'homme est tombé. Mutu alianguka. Voyons comment l'homme est tombé. Na toneni kwanza namuna kadi mutu alianguka. Pour montrer que il faut qu'il y ait quelqu'un qui sauve l'homme. Parce que quand vous perdez, quand vous êtes perdu, vous ne pouvez pas vous-même vous sauver. Il faut qu'il y ait un rédempteur, un sauveur. Inabidi kukwe mwokozi. Kama wo naanguka, na peke yako awezi kujokoa. Inabidi mwokozi, mukombozi, aje akukomboe. Nous voyons dans Genèse chapitre 3 ici. Tunaona kumwanzo sura ya 3. À partir du premier verset, il est dit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait.
Nyoka alikuwa nyama mujanja sana kumanyama yote ile Bwana aliumbaka. Il dit à la akaambia muki. Réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Eti Mungu alisema kweli kweli asema mshikule matunda yote ya miti yaliyokuwa mbustani humu. La femme répondit. Muki akajibia. La femme répondit au serpent. Mangeons du fruit des arbres du jardin. Muki akajibia nyoka akasema. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Matunda yote ya miti yenye kwa bustani tunakulaka. Vous n'en mangerez point. Lakini Dieu a muti yakuwa katikati ya bustani Mungu alisema mushikule mushikule matunda yayo. Vous ne mourriez. Wala mushiguse ili mushifwe. Alors la femme. Sasa nyoka kaambia muki. Vous ne mourrez point. Kufa mwezi kufa. Mais Dieu sait que. Lakini Mungu anajua. Le jour où vous en mangerez. Shiku tu ile mutaikula. Vos yeux s'ouvriront. Macho yenu itafunguka. Et que vous serez comme Dieu. Connaissant le bien et le mal. Na mutakuwa kama wa miungu na mwe mutayua mbizuri na bibai. La femme dit que l'arbre était bon à manger. Na muke akaona sema hii muti ilikuwa mzuri kula. La vue. Na ilikuwa napendeza kabisa kumacho. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Na ilikuwa mzuri juu ya kufungula akili. Elle prit de son fruit et en mangea. Na akachuma matunda akakula. Et la donna aussi à son mari. Na kapatia pia mume wake. Et il a mangé. Na yeye pia akakula. Sept. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent l'un, loin de la face. L'Éternel na mume na mke wake bakaenda kufichama mbali kabisa na uso ya Bwana au milieu des arbres du jardin mukatikati ya miti ya mbustani. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit sasa Bwana Mungu naye akaita mtu où es-tu uko wapi. Il répondit akajibi j'ai entendu la voix dans le jardin nashika sauti yako mbustani j'ai eu peur na nikashikia boka parce que je suis nu niko uchi. Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, na Bwana Mungu akasema, qui t'a appris que tu es nu? Sasa ni nani alikwambia sema uko uchi? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Ulikula matunda muti ile nilikukataza? L'homme répondit à la l'homme répondit. Mutu akajibu. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Muki mwe uliweka pembeni yangu ndio ananipatia ile tunda ya muti na mimi nakula. Et l'Éternel Dieu dit à la femme. Sasa Bwana kaambia muke jani unafaa vipi? La femme répondit. Muke akasema. Le serpent m'a séduit. Nyoka ananitongoza. Et j'en ai mangé. Na mimi nakula. L'Éternel Dieu dit au serpent. Bwana Mungu akaambia nyoka. Puisque tu as fait cela. Sasa vile unatenda hivi. Tu seras maudit. Wewe utalaaniwa. Entre tous les bétails, entre tous les animaux de champ. Mungu ni manyama yote yako shambani. Tu marcheras sur ton ventre. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Na utakula mavumbi masiku yote ya maisha yako. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Taweka fitina kati yako wewe na entre ta postérité et sa postérité. Na muke kati ya uzao wako na uzao wake. Celle-ci t'écrasera la tête. Huyu atakuponda kichwa. Et tu lui blesseras le talon. Na utamulumiza kasingino. Il dit à la femme. Na j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Bwana akaambia muke, wewe nitakuongezea maumivu ya mimba yako. Tu enfanteras avec douleur. Utazala na maumivu. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Na mania yako yote itaelekea ni kwa bwana yako. Il dominera sur toi. Na yeye atakutawala. Il dit à la femme. Il dit à l'homme. Akaambia muke, puisque tu as écouté la voix de la femme. Sa vile unasikiliza sauti ya muke. Et que tu as mangé de l'arbre. Au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, na unakula kuile muti yenye nalikwambia kasema, tu n'en mangeras point. Ushikulake hayo. Le sol sera maudit. Udongo italaaniwa. À cause de toi. Kwa ajili yako. C'est ta force de peine. Ni kumateso que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ndio utapata chakula kwa masiku yote ya maisha yako. Il te produira des épines. Na yote utakutoshia amiba na michomo. Et tu mangeras de l'herbe de champ. Na utakula c'est à la sueur de ton matunda ya miti na kujashula kunjo utaishi. Tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Kujashula kunjo utakula chakula yako mpaka na pale utarudia kuudongo. Tu as été pris kwenye uliondoshwa car tu es poussière
et tu retourneras à la poussière. Amen. 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 Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Adamu akapatia mke wake jina ya Hawa kwa sababu yeye ni mama wa wote. Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les a revêtus. Na Bwana Mungu akafanishia Adamu na mke wake manguo mavazi ya mangozi ya nyama na akabavisha. Amen. 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 Voyez que il a fallu un prophète dans ce temps. Il y a bidi kukue nabii mwe wakati. C'est écrit en parabole. Kwa sababu hapa inaandikwa mfumbo. Sont des symboles. Ni mifano hii. Ici on dit seulement il les a revêtus des habits. Hapa banasema anabavisha manguo. Mais le prophète dit il avait immolé un agneau. Na nabii anasema anatuambia alichinja kama mwana kondoo. Le sang a été versé. Na damu ikamwangika. Il a pris la peau de cet agneau. Akabeba ngozi ya ule mwana kondoo na ndio akabavisha. C'est ça qui montrait la restauration de la communion. Na ile jo ilikuwa naonesha urudisho ya ushiriki. C'est par le sang. Ni kupitia damu ile limwangikaka. Le salut c'est par le sang. Okovu ni kupitia damu. Et le sang là c'était le sang d'un animal. Na ile damu ilikuwa damu ya nyama. La vie de l'animal ne pouvait pas revenir sur l'adorateur. Uhai wa nyama haiwezi kurudia pa ule mwenye kuabudu. C'était un type. Ilikuwa ni mfano. C'était une ombre. Ilikuwa ni kimvuli. La réalité de cet agneau. Ukweli ya ule mwana kondoo. C'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Ni mwana kondoo mwenye kuondoa dhambi za dunia. Qui est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde? Mwana kondoo mwenye kuondoa dhambi za dunia ni nani? C'est le Galiléen. Ni humu Galilaya. L'homme né de Marie. Ule mtu alizaliwa kwa Maria. Ce corps l'a créé dans le sein de Marie. Ile mwili yeye aliumbiwa mumutumbo ya Maria. C'est l'agneau de Dieu. Ni yeye mwana kondoo wa Mungu. Mwe kondoo dhambi za dunia. À 30 ans quand il devait commencer son ministère. Mwe wakati alikuwa na miaka 13. Avant de commencer son ministère, le voilà qui avance. Mbele yake kwanza utumishi wake yeye alikuwa nakuya. Eko nenda wapi? Il va au Jourdain. Eko nenda ku Jourdain. Là où il y avait un prophète. Kule kwa kulikuwa nabii. Là où il y avait Jean. Kule kwa kulikuwa Yohana. Walikuwa anabatiza. Ceux qui venaient pour être. Bale beba alikuwa nakuya. Pour connaître Dieu, pour avoir la repentance. Dieu a beaucoup pas ta toba. Il baptisait les gens du baptême de repentance. Alors on a baptisé bas tout baptisé à toba. Lui le créateur des cieux et de la terre. Yé mumba juambingu na dunia. Il était dans la chair. Alors quoi andani amouine. Parce que frère Branham me dit. Kwa sababu ndugu Branham anasema. Dieu nous a donné un super signe. Mungu alitupatia ishara ya juu. Jéhovah dans la crèche. Jéhovah mukanyumba. Un super signe. Ishara kubwa. Jéhovah en train d'aider Joseph à la menuiserie. Kusaidia Yusufu mukazi ambao. Il dit quand le bébé pleurait, c'était Jéhovah qui pleurait. Anasema ile wakati mtoto mchanga alikuwa analia, alikuwa ni Jehova ndiye alikuwa analia. C'est un super signe. Hii ni ishara ya juu. Jéhovah. Parce qu'il y a des gens qui disent bon, c'est peut-être Jésus et c'est quand le Saint-Esprit est descendu. Depuis là, ce corps là. Frère m'a dit c'était Jéhovah. Kwa sababu bado wanasema ilikuwa ni Yesu ni paka ile wakati Roho Mtakatifu anishuka kanjo hapana. Ile wakati alikuwa bebe mtoto mchanga alikuwa ni Jehovah ndio alikuwa pale. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce qu'il est né? Comment ce corps est venu? Alizali kwa namna gani? Ile mwili ilikuwa kana namna gani? Le Saint-Esprit descend. Roho Mtakatifu alishuka. Par la vertu du Saint-Esprit. Kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Il a créé. Akaumba. Comme il avait créé toutes choses. Il a créé ce corps. Alors quand il avançait, dans le Jourdain, c'est Jean-Baptiste. Il regarde. Il voit un homme. Lui-même dit, je ne le connaissais pas. Mais quand j'ai vu, parce que c'est lui qui m'a envoyé baptiser. Parce que c'est lui sur qui tu verras la colombe. Njiwa. Où le Saint-Esprit descend sous forme corporelle. Voilà, Roho Mtakatifu anashuka muumbo la mwili. C'est celui-là. Ni ule qui baptise du feu. Jobe kuna baptiza na moto. Il regarde. Anangalia. Il voit un signe. Anaona ishara. L'homme vient. Mtu yuko na kui. Alors il s'arrête et dit. Sasa anashimo mbese. Attention. Sopokeni. Voici l'homme. Oneni mtu yeye. Voici l'agneau de Dieu. Oneni mwana kondoo wa Mungu. Voici l'agneau de Dieu. Oneni mwana kondoo wa Mungu. Qui ôte les péchés du monde. Mwana kondoo dhambi za dunia. L'homme avance. Mtu yule kona kuja. Alléluia. Alléluia. L'agneau de Dieu. Mwana kondoo wa Mungu. Qui ôte les péchés du monde. Mwana kondoo dhambi za dunia.
Si nous sommes sauvés, kama leo tunaokolewa, c'est grâce à ce sang. Ni juu ya ile damu ile. Le sang rédempteur. Ile damu ya ukombozi. Le sang de Dieu. Ile damu ya Mungu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Mais vous les prophètes, mnampenda nabii, nous l'aimons de tout notre. Tunampenda na moyo wetu wote. Donc il fallait alors sauver l'homme qui était perdu. Il a mis du coin Zakoko à Moutoule Maripoteaka. Ici, Papa dit ceci. Anasemaïf. Dans la brèche, Momaubiri Pengo. La brèche. Paragraphe 119. Je vais juste sauter. Kipindi, mais à moi, à Kuminatisa, qui chataluka na soumission. Ukombozi wake. Si je suis en train de lire tout ça, c'est pour vous montrer l'essentiel, c'est que l'homme était créé Dieu, il est tombé à cause de la désobéissance. Maintenant, Dieu a immolé un agneau pour remettre l'homme dans la communion avec Dieu. Mais cet agneau immolé au jardin d'Éden, c'était un type. Hapa ndio unapima ni kumionyesha hivyo tena unafanywa kumionyesha asema mtu alumbiwaka Mungu kwa sababu kwa vile alijua kuanguka juu ya dhambi akapoteza ushiriki wake ndio Mungu akakuya akachinja mwana kondoo akamwanga damu jua ye kurudisha mtu mushiriki pamoja naye. Amen. 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 Maintenant, sasa quand Dieu a voulu racheter l'homme, le ramener. Wakati Mungu alipenda akomboe mtu, wakati alipenda kumrudisha. Selon sa propre loi. Kulingana, il fallait qu'il y ait un parent rédempteur, un proche parent. Na sheria yake binafsi iliabidi kukue nduku mkombozi, nduku wa mtu. Ndugu Rama anasema, Dieu ne pouvait pas envoyer quelqu'un d'autre. Mungu ashikupashe kutuma mtu mwingine. Si Jésus avait envoyé quelqu'un d'autre, anasema ce serait injuste. Kama Yesu alitumaka ako mtu mwingine alipasha kuwa mbaya. Adam ne pouvait pas nous racheter. Adam ashikupashe kutuma. Mimi mwenyewe nitombe. Yeye mwenyewe alianguka. Aucun homme. Hakuna tamu tumoi. Parce que tous les hommes, kwa sababu watu wote, son dedans, balizali kwa muzambi. Tout homme né d'une femme est né dans le péché. Mtu yeyote anazali kwa na mwanamke anazali kwa muzambi. Amen. 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 Nous verrons ça peut-être dans un autre sujet. Tout en akai sazine moaji lingi. C'était la voie dictée par le diable. Il est le la voie du sexe. Il est ninji et le shetan a leonesha. Amen. Amen. Alors, tout homme né comme cela est né dans le péché. Sas, mutu yote la nazali kwa mwile na muna, anazali kwa muzambi. Amen. Amen. Il dit, anasema, paragraphe 200, c'est dans la brèche. Momaubiri Pengo. Disons d'abord 121. Tout somme quoi ça m'a moi. Mais la loi exigeait un parent rédempteur. Chérie, elle est lazimi cha ndugu. La loi de Dieu exigeait un parent rédempteur. Chérie, ya Mungu lazimi cha il a les soir quand le noter c'est dans Lévitique 25. Comme on appelle kuisoma ni mu Walawi 25. Tout cela. Asema tuna na wakati ya kujifunza hii Biblia. Parce qu'il y a beaucoup de mystères là-bas. Kwa sababu masiri ko mingi. Il y a beaucoup de choses. Mon habitu mingi mule. Il dit, anasema, 123. Mais la loi de Dieu admettait institut. Lakini sheria ya Mungu ilitika kabele badar. Qu'est-ce qui se serait passé si Dieu n'avait pas offert d'accepter un substitut? Ça c'est kia kwanza. Ni kitu kani kilipasha kutendeka kama Mungu alikatalaka badar. Mais l'amour de Dieu, lakini mapendo ya Mungu, l'a contraint à le faire. Il mulazimisha atende ville. En effet, kwa hivyo, l'homme mutu n'avait pas de moyen de revenir. Il n'y avait aucun moyen pour lui de revenir. Il était fini. Il était mais la grâce de Dieu a satisfait à ce parent rédempteur en la personne de Jésus. La loi l'exigeait. La grâce a satisfait ses exigences. Na sheria ikakuya kujibia kuilazimisho. Amen. Amen. 124. 124. Il dit, anasema,
Et qui était innocent? Sas, ni nana le quoi tous les hommes batu bote étaient nés sexuellement. Balizali wa kupiti atendo lando par le sexe. Kupiti atendo lando tous bote. Et le seul qui ne l'était pas, na moja tuna shikuku yake mwile njia, il avait perdu le droit à la vie éternelle et à être le roi sur la terre. Alipotezaka aki kuzimo wa milele na Dieu ayekuwa mfalme pa dunia. Parce qu'il y a que Adam qui n'était pas né sur le sexe. Ni paka Adam tout Dieu shikuzali kwake kuile na mungu. Adam et Eve ont été créés. Adam na Eve wao bali ombali umbiwa. Alors lui lakin, a perdu. Ye akapoteza aki yake. À partir de là tous les autres kupiti toke a pale batu bote. Sonné par le sexe. Et Dieu exigeait un pas. Na Mungu alilazimishaka nduku mkombozi. Il fallait qu'il soit un être humain. Il a bidi akuwe naye mwanadamu. 129. Il ne pouvait pas prendre un ange. Ashikupashake kubeba malaika. Il lui fallait un homme. Il a bidi mutu. Parce que nous n'avons aucun lien de parenté avec les anges. Kwa sababu shie na ba malaika atuna na bunduku hata kidogo. Nous sommes parents entre nous. L'ange n'est jamais tombé. Malaika aya angukaka. C'est un être d'une espèce différente. Ni kiumbe ke kwa aina ingine. Différent. Eko na mwili ya kuachana na yetu. Il n'a jamais péché ni rien. Aya tenda kazambi wala kutenda chochote. Il est différent. Anachana na shii. Mais la loi exigeait un parent. Lakini sheria hiyo ilazimishaka nduku mkombozi. Amen. Amen. 100 ans. Tous les hommes de la terre étaient nés par le sexe. Bat bot be kwa dunia ne pa balizali kwa kupitia tendo la ndoa. Maintenant vous devez bien le voir. Sasa mnapasha sasa kuangalia mzuri hapa. Que c'est de là que c'est venu. Nasema biote binatokea ni kule. Le péché est venu par le sexe. Zambi litu inakuia mwile njia hii. Et si vous croyez cela? Et tu mnaamini ile? Si vous croyez dites amen. Kama mnaamini semeni amen. C'est de là que c'est venu. C'est là que le péché a commencé. Alors vous voyez, ça, ça m'ona. Ce qu'il en est là, qui n'est quoi parler. C'est là qu'elle entre en ligne de compte. Ni pas le jour ça, ça mambo est là. Votre semence du serpent. Mambo ya y a dimbe ko ya kizazi kanyoka. Amen. Amen. 131. Maintenant remarquez. Ça, ça engage. Exiger la loi exigeait un parent rédempteur. Chérie, il lazimishaka nduku mukombozi. Et le rédempteur. Na mukombozi. Le parent rédempteur. Nduku mukombozi. Devait naître de la race humaine. Alipasha kuzali kwa na mutu. Nous voilà donc dans une impasse. Sasa uchiaba sasa mushida. Mais je vais vous faire entendre le son de la trompette. Mie napenda sasa nimisikilizishe mulilio ya baragumu. Au jour de la 17e. Kusiku ya sauti ya malaika wa saba. Quand il sonnerait de la trompette. Wakati atalilisha baragumu. Il fallait qu'il y ait un homme. Il a dit mutu awe. Le seul qui n'est pas né. Mutu moya qui n'était pas né par le sexe. C'était Adam. Mais il est tombé. Lakini yeye ile alianguka. Tous les autres. Batu wengine bote. Sonné par le sexe. Bana kuya kupitia tendo la ndoa. Zambi na yeye natokea kutendo la ndoa. C'est par là. Ni pale ndio zambi ilianzi. Mais il faut un homme. Sasa inabidi mutu. Quelle passe. Mais je vais vous faire entendre le son de la trompette. Lakini hapa sasa mimi nataka kumililisha kusikilizisha sauti ya original ya baragumu. Hii uzaliko wa kubiwa kibikira. A fourni le produit. Ikatupatia kitu. Amen. Anasema amina. La naissance virginale. Hii uzaliko wa kibikira. A fourni notre parent rédempteur. Inatupatia nduku yetu mkombozi. Jésus. Yesu. Est né virginalement. Alizaliko wa kupitia bikira. Il n'était pas Marie n'avait pas connu d'homme. Maria ashikuyuanake na mwanaume. Alléluia. Alléluia. C'est la puissance de Dieu. Dieu a créé. Ni uwezo wa Mungu, Mungu akaumba. Amen, amen, amen. Amen, amen. 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 Il dit ceci. Anasema hivi. Nul autre que le Dieu tout-puissant devenu Emmanuel, l'un d'entre nous. Aina mtu mwingine ni paka Mungu Mwenyezi ndio mwana anakuwa Emmanuel, Mungu miongoni mwetu Emmanuel. Vous connaissez ce que ça veut dire? Mona yo maana Emmanuel. Maana yake nini? Dieu avec Mungu na shie. Emmanuel. Emmanuel, le parent rédempteur. Nduku mkombozi. Le parent rédempteur était trompé. Nduku mkombozi. Vous voyez de quelle façon Dieu fixe l'exigence? Munaona namuna kanana kia kujibia kuilazimisho. Il n'y a rien que nous puissions faire. Akuna taki mwa kiyashi kufanya pale. Mais voilà que la grâce intervient. Sasa oneni sasa neema yo inaingia kiwanjani. Amen. 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 Et il fournit le produit.
135. Maintenant, remarquez donc. Il fallait qu'il soit un parent. Alors, vous voyez, un ange ne pouvait pas le faire. Un homme ne pouvait pas le faire. Il fallait que ce soit un homme, mais il ne pouvait pas être né d'une femme. Pas un homme né par la voie du péché. Il faut pas un homme né dans le péché. Il fallait un homme né hors du péché. Il y a bidi mutu ule mwana zalikwa inje ya zambi. Si vous comprenez ça? Munelewa ile? Si vous comprenez, dites amen. Kama munelewa semeni amen. Ainsi, haya. Il dit, un homme ne pouvait pas le faire. Mutu ashikupashe kutenda hii. Il fallait que ce soit. Il y a bidi ikue. Un homme ne pouvait pas le faire. Mutu ashikupashe kutenda. Un homme ne pouvait pas le faire. Il fallait que ce soit un homme. Il y a bidi we mutu. Mais il ne pouvait pas être né d'une femme. Par un acte sexuel. Aussi dans la naissance virginale, le Saint-Esprit a couvert Marie de son nom. Par conséquent, Jésus n'était pas un juif. Et je peux entendre un amen. Jésus n'était pas un juif. Jésus n'était pas un non-juif. Jésus était Dieu. Exactement. Son sang n'est venu d'aucun acte sexuel. Il était le sang sacré de Dieu par une création. Alléluia. Alléluia. Alors, sasa. Nous ne sommes pas sauvés par du sang juif. Et nous ne sommes pas sauvés par du sang non juif. Mais nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Et je peux entendre les amens. Dites-le vous-même. Je suis sauvé par le sang de Dieu. Répétez encore. Encore une fois. Je suis sauvé par le sang de Dieu. Amen. Amen. Il dit c'est conforme à la Bible. Il n'a pas tant la Bible. Amen. Amen. C'est là qu'on s'était arrêté. Alors nous avions lu aussi une déclaration dans les fils de Dieu. Manifesté. Paragraphe 85. Ça aussi c'est bien. Pourquoi est-ce que Jésus est tant adoré? Pourquoi Jésus est tant adoré? Il est tellement adoré. Il est beaucoup adoré. Pourquoi? Voici la raison. Dans les fils de Dieu manifestés. Mumabiri, batoto ba mumbe kuonekanisho. Un message prêché le 18 mai 1960. Maintenant, vous les frères trinitaires. Mwe banduku ba utatu. Vous les dénominationnels. Mwe ba mazebu. Je ne veux pas vous froisser. Mishipende kumikwaza. Mais comment? Sasa namuna gani? Au nom de la bonne parole de Dieu. Comment pouvez-vous donc arriver à faire de Jésus une autre personne que Dieu lui-même? Vous les trinitaires, les dénominationnels, comment au nom de la bonne parole de Dieu, comment pouvez-vous faire de Jésus une autre personne que Dieu lui-même? Comment cela? Comment pouvez-vous faire ça? Il dit, si Jésus s'était permis de prendre une autre personne pour l'envoyer mourir, pour racheter quelqu'un ici, il serait un être injuste. Il n'y a qu'un seul moyen pour
Dieu de le faire, c'est de prendre lui-même cette place-là. Il n'a pas voulu envoyer un ange. Un ange ne remplissait pas les conditions. Un autre homme ne pouvait pas le faire. Mais qui pouvait le faire? Il n'y a pas un autre moyen que Dieu lui-même. C'est lui-même qui a pris cette place. Amen. 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 Il n'y a qu'un seul moyen pour Dieu de le faire. Na kuko na muna tu moya Mungu kutenda. C'est de prendre cette place. Ni aye Mungu kubebe ile fashi. Amen. Amen. Il n'y a qu'un seul moyen pour Dieu de le faire. Kuna na muna tu moya Mungu kutenda. Lui-même. Ni a Mungu peke yake. Cette place. Kubebe ile fashi. Et Dieu na Mungu s'est fait chair. Akajifanya mwili. Dieu Mungu s'est fait chair. Akajifanya mwili. Répétez. Semaine. Dieu Mungu s'est fait anajifanya mwili. Dieu est esprit. Mungu niro. On ne peut pas le voir. Awezu kumuona. C'est pourquoi nous avons lu. Dieu comment tu le sommes. Le fils mwana est l'image ni picha du Dieu ya Mungu ule asionekane. Dieu s'est fait chair. Mungu akajifanya mwili. Amen, 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 amen. Dieu s'est fait chair, pourquoi? Mungu alijifanya mwili juu ya nini? Dieu s'est fait chair. Mungu alijifanya mwili pour qu'il puisse connaître les souffrances de la mort. Ili ajue na yeye ile maumivu na mateso ya lufu. Afin de nous débarrasser de l'aiguillon de la mort. Ili atukomboe ku ile shindano ya lufu. Que nous puissions être rachetés par sa mort à lui. Ili tukombolewe kupitia damu yake mwenyewe. C'est pour ça qu'il sera tant adoré. Na juu ya hii anapasha kabisa kuabudiwa sana. Parce que Dieu est devenu l'homme. Kwa sababu Mungu alikuwa mtu. Il est venu pour prendre ta place. Anakuja kubeba fashi yako. Prendre ma place. Kubeba fashi yangu. Si je suis en vie. Kama niko hai leo. C'est à cause de l'œuvre du Calvaire. Ni juu ya kazi ya Calvaire. C'est pourquoi je l'adore. Kwa sababu mimi namuabudu. Il est mon créateur. Yeye ni muumbaji. Il est mon sauveur. Na mwokozi wangu. Il est mon parent rédempteur. Na yeye ndio ndugu yangu mkombozi. Personne d'autre ne pouvait me sauver. Akuna tamu mtu mwingine alipasha kuniokoa. Kwa il est temps adoré. Ni kwa hiyo kwa hii sababu anazidi kuabudiwa. Vive. Sikilizeni. Il dit Jésus, anasema Yesu était un homme bien sûr. Alikuwa mtu ndio. Bien sûr qu'il était. Ndio kabisa alikuwa mtu. Il était un homme. Alikuwa kama mtu. Un homme né de la Vierge. Mtu alizaliwa na Bikira Maria. Mais l'esprit qui était en lui. Lakini roho alikuwa ndani yake. Alléluia. Alléluia. C'était Dieu sans mesure. Ilikuwa ni Mungu bila kipimo. Jésus était un homme. Yesu alikuwa mtu. Amen. Amen. Un homme né de Marie. Mtu anazaliwa na Bikira Maria. Mais l'esprit qui était en lui. Lakini roho ile ilikuwa ndani ya Yesu. Ilikuwa ni Mungu sans mesure. Bila kipimo. C'est la vérité quoi. Manake nini ile? C'est la plénitude de Dieu. Ni utele wote wa Mungu. Ça vaut lui dans la Bible. Tulisoma Biblia. Dieu a voulu faire habiter en Jésus. Mungu alipenda aikalishe ndani ya Yesu. La plénitude. Utele wote de la divinité. Wa Mungu. Habiter. Aikalie. C'était la habite. Ikalie mule, ilikalia mule ndani. En Jésus la plénitude de la divinité. Utele wote wa Mungu likalia ndani ya Yesu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. 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 Tous les autres prophètes l'avaient en partie. Banabi bengine bote balikuwa na ile roho ya Mungu kibande. Mubizazi, mumwenda bizazi yote. Mais il avait dit. Lakini alisemaka. Qu'au jour de la voix du Seigneur. Kusiku ya sauti ya malaika wa saba. Tous les mystères, le mystère même de Dieu. Siri yenyewe ya Mungu. Ile siri ya Mungu. Kristo. Serait révélé. Atafunuliwa. Ce qui arriva au jour de Sodome. Ile litendekaka musiku ya Sodoma itatendeka vile vile à l'avènement du fils de Dieu. Mwakati mwana mtu atakuja. À la révélation du fils. Wala kufunua mwana mtu. Amen. Amen. Le fils de l'homme se révèle au jour. Mwana mtu atajifunuliwa anajifunua leo. Ile utele pouvait temporellement entrer dans un homme. Ili pasha mumuda kuingia ndani ya mtu. Hapana kuikala. Pas rester. Hapana kubakilia mule ndani. Habiter. Lakini c'était en Jésus. Dieu a kuikana ilikanani mwesu. Lakini mumuda. Hallelujah. Hallelujah. Ce qui était un frère Branham qui était permanent. Ile nye ni kuwaka isha kuikana ndani ya ndugu Branham.
c'est une mesure. Il quoi l'équipimo? Madame dit nous l'avons en pacte. Donc vous m'avez dit ma tunaie la kini. Mais quand il devait manifester le signe fils. Ça ça wakata liposha kuonekanisha ishara ya mwana wa mtu. Tournez les dos. Kutupia watu mkono. Là la plénitude de. Pale ni utele ni kuya. Pour confirmer que ce n'est plus l'homme. Je vous dis que c'est pas un autre mutu. Écarte-toi, écarte-toi. Toka. Laisse-moi d'abord. Vous dites quoi ça dans mini ingi? Et il est prêté son corps. Na anabeba mwili yake. Frère Branham prêté son corps. Wakati tu mara bana mwizibisha mwili pale. La plénitude. Utele. Vous pouvez descendre. Kushuka. Après avoir opéré. Kisha kutenda. Anaenda. Je te prête mon livre. Na kuazibisha kitabu yangu. Tu l'utilises puis. Uitumie kisha unirudishie. Mais Jésus, lakini Yesu, c'était le propre corps de Dieu. Il kwa jo mwili yenyewe ya Mungu. La plénitude habitait chez lui. Utele wote wa Mungu ulikosha kalia ni ndani ya Yesu. Habitait dans son corps. Ulikosha kalia ndani ya mwili ya Yesu. Chez le prophète Branham. Kwa nduku Branham. C'est en cela qu'il est plus que les autres prophètes. Jo pala na achana na anashindia bana bibi wengine bote. La plénitude là. Utele ile. Pouvait pendant un temps. Ilikuwa na kuya mumuda. Laisse-moi d'abord. Unyache mbele fashi. Paf. Paf. Alléluia. Alléluia. Il manifeste. Anaonekanisha kisha anatoka. C'est pourquoi il pouvait dire. Je commence à passer à Kusema. Il est à un mètre de moi. Et quand vous mettez à moi un ami, je le sens s'installer. Na bushi qui est qu'on a dit bang en daniang. Alléluia. Alléluia. Il opère. Et qu'on attend. Et puis le lendemain. Qui s'accueille. Il y a une autre réunion. Mumu kusadi ko ingine. Il dit je l'attends. Anasema niko na muchung. Mais hier il s'était installé. Non? Jana sali jipang. Mais le lendemain il attend. Ça ça. Le kesho anako na muchung. Parce qu'il n'habite pas. Kwa sababu asikwaze kuikala ndani yake. Il n'habite pas. Asikwa nekala ndani ya mwindani ya mwina Branham. Lakini ndani ya Yesu. Mungu alifera habiter. Alipenda kuikalisha utele wote wa Mungu ndani ya Yesu. Je n'empruntais pas le corps de Jésus. Mwili ya Yesu Mungu asikwaze kuyazima. Dieu Mungu s'était fait un corps. Alijifanyishia kamwili Mungu. S'était fait chair. Akajifanya mwili Mungu. Alikuwa ndani ya mwili yake. Si vous croyez cela, dites un grand. Comme vous n'avez dit, n'est-ce pas des amis de Goubo? Dites amen de telle manière que les démons s'en fuient. C'est un ami de Mounamouna qui pisse à ma démon. Alléluia. Amen. C'est ça le mystère. Il joue le Cyril de Christ. Il y a Christ. Le mystère de Christ. Cyril Amoum. Mais qu'au jour de la voix du Seigneur. Ya ku lakini kusiku ya masiku ya sauti ya malaika wa saba wakati atarudisha paragumu yake. C'est un mystère. Ile siri ya Mungu ni siri. Dieu Mungu s'est photographié avec son. Anajipicha na nabii wa Dieu Mungu sur l'épaule palibek. Dieu Mungu pouvait emprunter. Alipasha kata kuazima pour un temps. Dieu a Mungu. Quand il devait opérer. Wakati alipasha kutenda. Après. Kisha. Suivez les prophètes. Sikiliza tu nabii. Suivez Moise kumusikiliza un message aujourd'hui. Il y a des réunions de prière. Mikusanyiko ya maombi. Il suit. Ana s'installe. Unashikia na réunion qui suit. Anajipanga. Ile mkusanyiko inafuata. Mimi niko na mchunga. Je l'attends. Na mchunga. Si ne vient pas. Kama ashikuye. On fera rien. Atutafanya kitu. Il faut qu'il vienne. Inabidi aje. Mais Jésus ne pouvait pas dire. Lakini Yesu asikupasaye kusema vile. Alléluia. Alléluia. Il habitait. Alikuwa naikalia ni il habitait dans son. Ndani ya Yesu alikwisha kuikalia. Vous voyez la différence? Mnaweza kuachanisha hapo hapo. Entre le créateur. Kati ya muumbaji. Et sa création. Na kiumbe kyake. Jésus. Yesu. Et le Dieu de Branham. Jo Mungu wa Branham. 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 Est l'une de sept étoiles. Ni moja wa kuile manyota saba. Dans la main de Jésus. Enye alikuwa mkononi mwa Yesu. Branham. Branham. N'a pas utilisé sa propre force. Ashikutumiki sa nguvu yake. Ilikuwa ni nguvu ya Yesu. C'est pourquoi il est dans la main. Joko mane ko mkononi ya kuume uwezo. C'est la puissance qu'a utilisé Paul. Ni ile uwezo mume alitumikisha. Tous les messagers. Paulo na bajumbe bengine bote. Mais ils sont dans la main de Jésus. Lakini beko ndani ya mkono ya Yesu. Alléluia. Alléluia. Alors il dit. Sasa anasema. Jésus était un homme. Yesu alikuwa kamutu. Bien sûr. Ndio il l'était. Alikuwa kamutu kabisa. Il était un homme.
un homme né de la Vierge. Mais l'esprit qui était en lui, c'était Dieu sans mesure. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Il était Jéhovah Jireh. Il était Jéhovah Rapha. Il était l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Il était le premier. Et le dernier. Celui qui était. Qui est. Et qui vient. Le rejeton et la postérité de David. L'étoile du matin. Il était tout en tout. En lui. Habite. Corporellement la plénitude de la vie. En lui. Habité. Corporellement. La plénitude de la vie. Alléluia. 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 Amen. Amen. Est-ce que vous aimez ça? Mon appendai. C'est très bien. Visure kabisa. Maintenant bien aimé. Nous sommes enfants de Dieu. Qui croit qu'il est enfant de Dieu? Nana mina sebe comme toto wa Mungu. Nous sommes enfants de Dieu. Il dit chaque fils qui vient à Dieu. Kila mutoto yote ile rokia kwa Mungu. Chaque fils de Dieu. Kila mutoto te wa Mungu. Il est la manifestation des attributs de son père. Kila mutoto yote wa Mungu eko bonekanisho kwa mipaji ya baba yake. C'est une déclaration forte. Hii ni msemo wa nguvu kabisa. Nous avions vu que Jéhovah avait un dessein, il voulait s'exprimer, n'est-ce pas? Tulona sema Jéhovah alikuwa na makusudi na kusudi alipenda jieleze. En lui il y avait l'attribut d'être père. Ndani yake mlikuwa kipaji kakuwa baba. L'attribut d'être fils, il est devenu fils en Jésus. Qui pas dit qu'à mwana, kaja mwana mu Yesu. D'être sauveur, c'est en Jésus. Qui pas dit qu'à vokozi ni mu Yesu. D'être guérisseur, c'est en Jésus. Kwa muponyaji ni ndani ya Yesu. D'être parent rédempteur, c'est en Jésus. Kwa ndugu mkombozi ni ndani ya Yesu. Amen. Amen. Et Jésus là, na Yesu ule, il est monté, alipanda, il a renvoyé le consolateur, akatuma mufariji, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, pour qu'il entre en nous. Ju aingie ndani yetu. Amen. Amen. Est-ce que vous savez? Et monajou. Parce que quand on dit restaurer la divinité, c'est que nous étions déjà des dieux. Wakati banasema kurudisha umungu, maana yake tulikuwa tushakuwa ba Mungu. Amen, amen, amen. Amen. Oh, vous allez aimer ça. Mutapenda kabisa hii. Suivez d'abord ceci. Sikilizeni kwanza hii. Kwa mwanamke. Ndubura nama nasema hivi. Nous devons, si nous adorons le Seigneur, c'est parce qu'il a fait beaucoup pour nous. Kama tuko naabudu Bwana Yesu, ni jua alitutendea bia mingi sana. Amen. 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 Dans le message, nous avions lu, je le répète parce que dimanche tout le monde était là. La rédemption, rédempteur, rédemption. Momaubiri mukombozi, rédemption. Ukombozi. Rédempteur, rédemption. Écrivez comme ça, rédempteur, rédemption. Mukombozi na ukombozi. C'est un message qu'il avait prêché le 19 novembre 1955. Qu'avait-il racheté? Il a racheté votre âme. Il a racheté votre âme de l'enfer. Si vous êtes sauvé, c'est que vous n'irez jamais en enfer. Yani wewe hautaruendaka kamwe mugena. Pourquoi tu n'iras pas en enfer? Jani na utenda mugena. Jésus m'a racheté de l'enfer. Kwa sababu Yesu ashakunikomboa mugena. Qui croit qu'il n'ira pas en enfer? Nana na mina sema ata endaka mugena. Pourquoi? Dieu anini. Répétez, pourquoi? Na Dieu anini na utenda mugena. Jésus m'a racheté. Yesu ashakunikomboa. Ashakunitosha mugena.
Pourquoi tu n'iras pas en enfer? Jésus m'a racheté. Je n'irai pas parce que je suis pas déjà. Il a racheté et ramené tout ce qu'Adam avait perdu. Ali kombo na kurudisha byote bila Adam alipoteze. Quand il vous avait mis dans un magasin de prêt sur gage. Wakati alitoa chaka mbele muduka mwevi kama vile malimbuko bitangulizi. Ah, prêt sur gage peut-être quand quelqu'un vous mettez en gage quelque chose là. On a wekesha kitu fulani. Ah, on vous prête quelque chose, vous mettez. Ah, c'est comme ça que nous étions. Jovile tulikuwa kama kumesha kutuwekesha fashi fulani. Parce qu'on a payé, alors on devait. On devait. Ni pala na kia kulipa ndio tunatoka sasa tunaenda. Est venu lui se donner. Yesu alikuwa peke yake anajitoa. Moi je meurs à leur place. Mimi nakufa kwa fashi yabo. Libérez-les. Ubaache bubafungue bende. Il est même allé en enfer. Akaenda na mugeena mungu. Chargé de péché. Na mazambi zote muziko ta zambi. Akaenda kubeba fashi yako mugeena. Quand il est allé en enfer, wakati anaenda mugeena, il a rencontré Satan là-bas. Anakutana na shetani mule. Il l'a rencontré. Bana kutana hivi na shetani. Ils étaient là. Ndugu mwana sema balikuwa kule. Et qu'est-ce qu'il a fait? Na kafanya nini? Il lui a arraché les clés. Anamunyanganya fungulo. Il lui a donné un coup. Kisha anamupa kipashi. Et il est tombé. Na ananguka. Il a pris la clé. Anabeba fungulo. La clé de la mort. Anabeba fungulo ya lufu. Et la clé de l'enfer. Na yageena. C'est entre les mains de Dieu. Iko mikononi mwa Mungu. Tu ne peux pas mourir si Jésus n'a pas. Ouais, awezi kufa kama Yesu asiafungula. Hallelujah! Hallelujah! Même pour aller en enfer, il faut qu'il ouvre. Atajua kwenda mugeena mpaka yeye anafungula. Il faut rejeter Jésus. Alors tu vas la faire. Kwa wewe kwenda mugeena, ukatana tu Yesu utaenda. Lakini Yesu ana mafungulo mikononi mwa. Nous sommes sauvés. Tunakokolewa. Je suis sauvé. Naokolewa. Je n'irai pas en enfer. Siwezi kwenda mugeena. Jésus m'a racheté. Yesu ashajikomboa. Amen, amen. Amen, amen, amen. 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 Il dit, anasema. Oh. Oh. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Au calvaire. Au calvario. Était votre parent rédempteur. Qui vous a racheté. De chaque malédiction du diable. Vous voyez pourquoi nous l'adorons. C'est quand on chante. Quand on adore Jésus. On pense comment il nous a racheté. Racheté de l'enfer. Aucun sorcier ne peut placer la malédiction. Même Balaam. Balaam était là. Balaam il pouvait maudire les enfants d'Israël. Si Dieu t'a béni, tu es béni. Amen. Personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Hakuna tamu tumwanaweza kulaani ule Mungu ashakubariki. Personne ne peut me maudire parce que Dieu m'a déjà béni. Hakuna mtu anaweza kia kunilaani kwa sababu Mungu aishakunibariki. Jésus. Yes. Vous a racheté. Ali tukombo. Au calvaire. Calvaire. Jésus était votre parent rédempteur. Il vous a racheté anakukomboa de chaque malédiction du diable. Il a racheté votre âme. Il a racheté votre corps. Il a racheté votre esprit inquiet. Il vous a apporté le bonheur. Il vous a apporté la joie. Alléluia! Alléluia! C'est ce que la rédemption vous a apporté. Jokile ukombozi inakuletea. Elle vous a apporté la paix. Inakuletea salama. La longanimité. Inakupatia usalama urefu wa maisha. Wema. La gentillesse. Fura. La douceur. Utulivu. La puissance. Uwezo. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Elle vous a apporté la guérison divine. Inakuletea ukombozi uponyaji wa Mungu. Toutes ces choses. Ibi bitu byote. Jésus-Christ vous les a apportées. Yesu-Kristo anakuletea nabyo. Car il était notre parent rédempteur. Kwa sababu alikuwa nduku yako mukombozi. Il est venu sur la terre. Alikuwa duniani. Il a souffert comme un homme. Aliteswa kama mtu. Il fut tenté en tout comme nous. Alijaribiwa mubyote sambutu. Pourtant, Jap, il ne pécha pas. Yali
Il est devenu, il ne pécha pas. Il est devenu un parfait parent rédempteur. Il a souffert dans son corps. Il a porté nos infirmités dans son corps pour les ôter. Donc il a porté nos infirmités dans son corps. Frère Branham dit que Jésus avait reçu 39 coups de fouet. Qui correspondent à 39 grandes maladies. Dans son corps. Pour les ôter. Il a souffert. Dans son corps. Pour nous ôter de ça. Le sida sautait. Sida et la loupe. On a souhaité. La tuberculose sautait. Le diabète sautait. Toutes les grandes maladies ont sauté. Magonjo kubayote na li na luka. Il a porté ça dans nos corps, dans son corps. Ali beba yote mumili yake. Djokuye kuitosha. Nous ne pouvons plus souffrir. Si à toi c'était la kutesu. Si il y a la tension qui te dérange. Kama magonjo attention na kya kukuzuru. Toi témoin de tension. Ouais, pepo chafu attention. Tu t'es trompé d'adresse. Ouais, una sababu kwa kuendea wana. Jésus, Yesu, m'a racheté. Il a souffert. Il avait reçu un fouet. Pour que moi je ne puisse pas souffrir. Allez, Katuka. Katuka. Toka. C'est pourquoi nous allons venir écouter la foi par. Il faut croire ces choses. Il ne vous sera fait que selon votre. Na bita kutendekea paka kulingana na imani yako. Frère Branham donne exemple. Dura mana leta mfano. D'un canari, un canard qui était attaché. Rukwa bata mwe vibesho mfunga. Ah, mtu mwana kuye. Bato. Mais comment il va mourir comme ça on l'a laissé? U bata atakufa tu baya mukamba ifi. On l'a détaché. Bana mfungule le kamba. Comme il était habitué déjà. Ça veut dire que chose zoya le kamba. Il est là. On l'a fait. Balance au bouffou, ça wend. Et qu'on pas qu'à fâcher moi. Je suis attaché. Tu n'es plus attaché. Ah, pas, non, j'ai fumbouli. Kamba, y'a quoi, je sais quoi. Je sens que sans kamba, quoi. Mina chiquet, tout ça, je sais que nous si je suis encore attaché. Joy, il est tout bon à foigner. Joy, il est bien à fanik. Barisha, ou katam, amba. Tous les liens ont été coupés. Toutes les chaînes de la sorcellerie. Toutes les chaînes de l'enfer sont brisées. Mignololo yote ya gena. Mignololo yote ya bulozi yote isha katiwa. Sortez et soyez libres. Toka la wende kwa uru. La Bible dit vous connaîtrez la vérité. Bible nasema mutayo ukweli. La vérité vous a. Ukweli tamiweka uru. Quand on est ignorant, on est captif. Wakati aujue kitu uko mwenye kufungwa. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que je prêche? Pourquoi est-ce que nous viendrons prier? La difficulté c'est quoi? Le fondement fondamental pour la foi. Misingi ya kumanzo ya imani. Paragraphe 11. Kipindi ya kumi na moye. Frère Branham. Dubura na manasema. Le message du 13 janvier 1955. Ya tare kumi na tatu mwezi wa kwanza. C'est pourquoi je parle ça. Dieu a nini? D'abord au paragraphe 10, il dit ceci. Mu kipindi 10 kwanza anasema hivi. Il dit ceci. Anasema hivi. Ça se dit. Non. Au paragraphe 9 à la fin là. Kumwisho ya kipindi kya 9, il dit or tout ce qu'Adam était en Dieu. Biote bile Adam alikuwa ndani ya Mungu. Christ nous a racheté. Christ ni mwenye kutukomboa. Na anaturudisha kwa hayo. Racheter quelque chose, c'est le ramener à ce que cela était à son origine. 10. Et Adam ne devait jamais tomber malade. Na Adamu na yeye ashikupashake kugonjwa kamwe. C'est ce qu'il était.
il ne devait jamais mourir. Adam a chupacha que kufwa. Donc si Jésus, comme Jésus, parce que maintenant avec la chute, il y a la mort, il y a la maladie. Ça ça l'est on a Jésus nous a racheté. Yesu acha kutukomboa. Et ramener à ce qu'Adam. Na anaturudisha kukile Adam alikuwaka. Adam ne devait jamais. Adam a chupacha que kugonjo. On a coupé. Bana quatre. Ah ah. Il n'est pas que malaria en guin. Il n'a toujours ma maladie, toujours cette maladie là. Malaria n'a quoi yaku? Renvoyer ces démons qui rentrent à son origine. Rudi Shaul les démons, Rudi est pas que kula litokeak. Amen. 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 Il dit, jamais, Adam n'avait jamais de chagrin. Adam, je crois que dans ma ouzoune. Il n'avait jamais peur. Il montait simplement dans les bras du Père. Juste comme un enfant. Tout lui appartenait. Et tout ce qu'il demandait, eh bien, il obtenait simplement. Tout lui obéissait. Parce qu'il était enfant de Dieu. Et l'enfant est héritier de toutes choses. Or, lorsque l'homme est tombé, il a perdu tout cela. Il a perdu cela dans la chute. Et Christ est venu comme parent rédempteur. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la raison pour laquelle Christ nous a rachetés? Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a ramené à la communion éternelle, à la relation éternelle avec Dieu, pour être de nouveau des fils et des filles de Dieu, pour restaurer tout ce qu'Adam avait perdu dans la chute. Restaurer. Même la dignité doit être restaurée. La bonne santé restaurée. Le bonheur restauré. La joie restaurée. Tout est restauré. Biote bina rudishu. Maintenant. Ça, 11. Kumina moye. C'est ça mon problème, c'est pourquoi je prêche. Jo mambo ya unjo kenyeni kuna ubiri. Maintenant le problème est. Ça, mambo ni. Le problème est que. Mambo ni. Depuis qu'il a restauré l'homme. Et l'a ramené à cette place. Na kumurudisha fashi mutu alikuwaka. L'homme par la chute avait perdu la conscience de ce pourquoi Dieu l'avait placé ici sur terre. Mutu jutu ya kule kuanguka aliangukaka akapoteza na akili ya kuyua hata juu ya nini Mungu alimuweka duniani hapa. De ce qu'il devrait faire. Na akasahabu hata kile alipasha kufanya. Toute la théorie pour ainsi dire. Notre cerveau et les issues, la foi, tout ça, ont été obstrués par les affaires professionnelles. Je crois que sababu, mamifereji yote, ya akili yetu, ya biyetu biyote, ilifungwa, inafungiwa, na makazi ile tunapasha kufanya. Par la vie de foyer, maisha yetu ya kila siku mujama, tout makazi ya nyumba, biyote, binafungiwa. Et avec cela, na ile, que Dieu ne peut opérer dans l'homme au travers de ses canaux comme il avait prévu. Hakuna tena namuna ya Mungu kutumika kupitia ile mifereji gisa litayarishaka. Donc nous sommes comme ces canards. Tuko sapa ko le bata. On a déjà coupé. Mesho kamukata kumukata kam. Toutes les chaînes de la servitude sont brisées. Ya utumwa isha katiwa. Mais l'homme sasa a perdu conscience. Akili isha kumupotea. L'homme ne sait pas vivre dans la liberté. Tes maladies, Jésus les a portées. Ma gonjoya koyote yeso sha kuibeba. Pour que toi tu ne tombes pas malade. Il wewe usigonjwe tena. Le diable viendra. Satan atakuye. Résistez-lui avec une foi. Umukazie na imani kamilifu. Il va retourner. Atarudia kula natokee. Lui va toujours tenter. Ye atakuya pa kukujaribu. Alléluia. Alléluia. Frère Banamuti. Ndubura mama nasema. Souvenez dans le message.
Le début et la fin de la dispensation des gentils. Vous savez, est-ce que vous croyez que vous êtes éternel? Frère Branham dit que nous venons de l'éternité. Si j'avais promis que je devais parler, il faut que j'arrête dans quelques minutes là. Il disait. Il dit. Vous voyez. Paragraphe 150. C'est un message du 9 janvier 1950. 55. Paragraphe 150 à 153. Vous voyez, nous venons de l'éternité. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle si tu n'étais pas dans l'éternité. À cause du péché, nous étions tombés. Paf. Dieu a zambi tunanguka. Dans le temps. Tunangukia muwakati. Amen. Amen. Comme nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les semences de Dieu. Chacun va retourner à ce qu'il était. Jésus te rachète pour te ramener là où tu étais. Si tu n'étais pas dans la pensée de Dieu, tu n'y retourneras pas. Si tu n'étais pas une pensée de Dieu, tu ne seras jamais la parole. La parole, c'est quoi? C'est la pensée. Amen. Et les enfants de Dieu sont des pensées. Ils deviennent la parole. Il dit ceci. Paragraphe 150, suivez. Vous voyez, nous venons de l'éternité. Nous existions avant qu'il y ait un monde. Ça, c'est quelque chose. Je vous avais dit que nous avons lu Jésus. Et le premier né de toute la terre. Pour être en tout le premier. C'était la tribu. Mais nous aussi. Hey! Nous étions aussi des attributs dans la vie. Si vous êtes un enfant de Dieu, c'est que vous étiez. Frère Branham me dit, comme vous étiez dans votre père, comme Mike là-bas, Mike. Tu n'es pas marié, n'est-ce pas? Ah oui, ah oh, si. Tu n'as pas d'enfant. Ah oui, na batoto. Mais tes enfants sont à toi. Lakini batoto yako, uko nabo ndani yako. Tu peux voyager partout. Terminons d'abord celle-ci. Cette déclaration-là, c'est dans l'union invisible. Je vais la lire juste après celle-ci. Écrivez déjà aussi. Dans l'union invisible. Le Christ du 25 novembre 1965. Paragraphe 58 à 61. Maintenant, nous revenons dans le début et la fin de la dispensation. 150 à 153. Suivez. Vous voyez, nous venons de l'éternité. Nous existions avant qu'il y ait un monde. Saviez-vous cela? Dieu a créé l'homme à sa propre image. Où étais-tu? C'est la question qui avait été posée. Job. Où étais-tu? Où demanda-t-il à Job. Quand
Quand Job pensait avoir de la sagesse, Dieu a dit, où étais-tu quand j'ai posé le fondement de la terre? Avant que je le pose, quand les fils de Dieu chantaient ensemble et que l'étoile du matin poussait des cris de joie, l'étoile du matin criait de joie. Il dit, ces étoiles brillantes poussaient des cris de joie. Quand ils ont vu qu'un jour le roi Melchisedec viendrait dans la justice de Dieu, dans un tabernacle ici sur terre, et donnerait sa vie pour nous ramener une fois, une fois de plus à Dieu, et qu'alors nous brillerons plus que les étoiles à toujours et à perpétuité. Où étais-tu quand j'ai posé les fondements de la terre? Dieu, sur quoi ses bases sont appuyées? Dis-moi sur quoi elle repose. Il lui dit, sainte-toi. Je vais te demander comme un vaillant homme. Et Job tomba sur sa face. Il ne pouvait pas supporter cela. Dieu était là. Vous voyez? Mungu, où étais-tu quand j'ai posé les fondements? Où est-ce que tu étais? Maintenant disons. Ça tout semaine. Dans l'union invisible. Munga no sionekana maubiri. Rabanamdi. Duburamana 58. Kipindi makumi tano na munani. Si vous êtes marié à Christ, kama usha kuolewa kwa Kristo. Christ, c'est la parole de Dieu. Kristo ni neno la Mungu. Dans Jean chapitre 1er, il est dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Et là était faite chair. Et habitait parmi nous. Christ était la parole vivante. Il est toujours, il a toujours été la parole. Il est encore la parole. Il sera toujours la parole. Il était simplement la manifestation des attributs de Dieu. Car il était le Fils de Dieu. Maintenant 59. Ton fils est la manifestation des attributs de son père. Maintenant frère Branham compare. Tout comme vous. Comme vous. Vous étiez dans les gènes de votre père. Dans les corps de votre père. Quand il était jeune garçon. Vous étiez là-bas. Amen. Amen. Vous étiez en lui. Cependant, il ne pouvait pas communier avec vous. Parce qu'il ne vous connaissait pas. Mais ensuite, grâce au terrain d'ensemencement de votre mère, vous avez été enfanté sur cette terre. Et vous avez été fait à l'image de votre père. Et alors, il a pu avoir communion avec vous. De même, vous. Maintenant, il parle de nous. Oui, il a comparé analinganisha le naturel à ce qui se passe dans les cieux. Il dit de même, de la même manière comme nous étions dans notre père, dans les gènes de notre père, il dit de même vous, vous étiez fils et filles de Dieu avant même qu'il y ait une lune, avant que la lune existe, nous étions des fils de Dieu, nous étions dans sa pensée. Amen. Amen. De même vous, vile, vous étiez fils de Dieu et fille de Dieu, na binti wa afin même qu'il y ait une lune mbele ata ya mwezi kuwa, ou des étoiles ou une mélodie, wala nyota, wala kitu kyo, vous étiez fils et fille de Dieu. Quand vous êtes simplement la manifestation physique des attributs qui se trouvaient en Dieu au commencement. Quoi, hapa, mwe, muko,
kuonekanishwa mumwili kwa bile kwa kile Mungu alikuwaka kumwanzo. Des attributs qui étaient en Dieu. Bipaji bile bilikuwaka ndani ya Mungu. Est-ce que vous croyez cela? Eti mnaamini ile? Mais la parole le dit, il faut croire. Neno inasema inabidi kuamini. La foi vient de ce qu'on entend. Imani inatokea kubile kwa kusikia. Il y a des choses qu'on ne connaissait pas. Kuko bitu bila kuwake na yu. Ce sont des mystères qui sont révélés. Ce sont des vérités. Ni maukweli. Qui étaient cachées. Enye nikuwesha kuficho. Mais qui sont révélés. Sasa bana tufunulia nayo. Tu ne savais pas, il faut croire. Au kuyuwake. Sasa ya amini ayo. Amen. Amen. Vous étiez fils et filles de Dieu. Mulikuwa batoto banaume na banamke ba Mungu. C'est simplement la manifestation physique des attributs qui se trouvaient en Dieu au commencement. Ju hapa sasa mko kuonekanishwa kwa bipaji bya Mungu bila bilikuwa ndani yake kumwanzo. En effet. Kwa hivyo, il n'y a qu'une forme de vie éternelle. Kuko aina tu moya uzima wa milele. Et c'était vous. Ndikuwa ni wewe. Avant. Vous n'en savez rien. Lakini zamani au kuiwake kitu. Et de même, vous n'en saviez rien quand vous étiez dans votre père terrestre. Ata wakati ulikuwa ndani ya baba yako hapa dunia au kuiwake kitu. Est-ce que tu savais quand tu étais dans le wakati ulikuwa ndani ya baba yako kuiwake kitu? Je sais quand j'étais, je sais ce qui s'est passé quand j'étais dans mon père. Unaweza kusema mimi najua kile kinaweza kutendeka wakati nilikuwa ndani ya baba yangu. Tu sais que tu es l'enfant de cet homme, tu étais en lui. Unajua sema uko mtoto wa au baba kwa sababu ulikuwa ndani yake. Tu étais une semence. Ulikuwa mbeku ndani yake. Amen. Amen. Tu étais une semence. Ulikuwa mbeku ndani yake. Partout il voyageait, il allait. Ile fois chote ulikuwa na safari, alikuwa anaenda na wewe. Il s'est marié, akaoa. Tu es maintenant manifeste. Sasa hapo unaonekanishwa. Tu as quitté le père. Unatoka mubaba. Tu es entré dans la mère. Unaingia mumama. Amen. Amen. Et puis kisha manifeste. Unaonekanishwa. Tu étais dans ton père. Ulikuwa ndani ya baba yako. Amen. Amen. Mais tu ne savais pas. Lakini hukuiwaki. Maintenant on dit, on étudie la biologie. Ça, ça va la diffuser la biologie, la biotébile. Comment on appelle ça? La division cellulaire, la biologie. Il est wakati. Il n'y a pas d'élèves. La meiose et mitose, toutes ces choses. Il est kuchangana kwa ile mbeku na kukatika. Au moyen de la science, on peut prendre l'esprit de l'homme, faire des analyses, trouver là-bas des semences, beaucoup de semences. On a musia ça on va nezo kubeba uzazi wa mwanaume banaenda kutafuta kuangalia banakuta mbeku ndani. Et l'homme vient de cette semence là. Na mtu anatokea ni kuile mbeku ile. Et tu es aujourd'hui là, mais tu viens de là, tu étais cette semence. Leo uko mtu na wewe unatokea mwile hali ulikuwa kama ile hali ile. Mais on ne le savait pas. Lakini au kuyuwa. La science nous a révélé ça. Sasa ni siasa nyo na kufunulia. Nous ne savions pas. Atukuyuwake. La parole de Dieu nous l'a révélé. Neno inatufunulia hii. Amen. Amen. Il dit. Anasema. De même vous n'en saviez rien quand vous étiez dans votre père terrestre. Njo paka vile au kuyuwake kitu wakati ulikuwa ndani ya baba kwa patuni. Vous avez été manifesté à son image. Na sasa tunaonekanishwa sasa mpicha lake. Vous avez été fait l'image de Dieu. Na tulifanya mpicho la Mungu. Vous avez été manifesté pour la gloire. Na tulionekanishwa juu ya utukufu wa Mungu. Et donc, kumbe, aussi sûr qu'il fallait que votre gène se trouve dans votre père avant votre naissance naturelle. Mpaka vile iliabidi wewe ukue ndani ya tumbo ya baba yako mbele wewe kuzalikwa hapa pa dunia. Il fallait que votre gène spirituel se trouve en Dieu. Jo vile vile iliabidi yasema mbeku yako ya kimungu ikue ndani ya mbeku yako ya kiroho ikue ndani ya Mungu. Parce que vous êtes une expression des attributs de ses pensées. Kwa sababu wewe uko kuonekanishwa kwa bipaji ya wazo yake. Avant même la fondation du monde. Mbele ya misingi ya dunia. Exact. Il n'y a pas moyen de passer à côté, c'est exact. Hii ni ya kweli na kuna namuna ya kuichola. Donc nous remarquons là que cette vie éternelle était en vous. Hapa tunaona sema hii uzima wa milele ilikuwa ni ndani yako. Que la vie de Dieu était en vous. Na uhai wa Mungu ulikuwa ndani yako. Depuis quand? Tokea wakati gani? Dès la fondation du monde. Tanga mbele ya misingi ya dunia ku. Je vais lire deux déclarations pour arrêter. Tasoma Luko 2 juu ya kushimamisha. Vous voulez trop bien de. J'ai dit deux. Mimi nasema mbili. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je lis d'abord dans exposer et puis je vais lire dans la divinité de Jésus. Nasoma kwanza maelezo ya kanisa kisha tasoma Mungu wa Yesu Kristo. Exposer des sept âges de l'église. Maelezo ya bizazi saba ya kanisa à la page 145.
ukurasa mia moja makumi ine na tano. Ici, frère Branham parle maintenant, il nous dit. Hapa ndo Branham anasema. Nous étions des semences. Tulikuwa kama mbegu. Parole. Mbegu neno. En Dieu. Ndani ya Mungu. Comme nous étions des semences dans notre père. Mpaka vile tulikuwa mbegu ndani ya baba yetu. Njo vile tulikuwa mbegu ndani ya Mungu. Il dit, vous n'êtes pas devenu une semence par la naissance. Anasema. Donc, vous étiez une semence. C'est pourquoi vous êtes né de nouveau. Celui qui n'était pas une semence ne naîtra jamais de nouveau. Il y a aussi des gens qui sont malades. On peut aller à l'hôpital, on fait des examens, on trouve que tu n'as pas de semence. Après, la femme est enceinte. Kisha maombi, banangaria, anakuwa na mambe na uzazi. Donc, quelqu'un aussi, kumbe mutu, on voit la femme, elle est bien. Banaona mwanamke. On voit l'homme, pas de semence. Eko muzima, eko muzuri, lakini mwanaume ana na uzazi. Il ne va pas donner naissance. Awezi kuzala. Il n'y a rien. Hakuna hata kitu moyo. Amen. Amen. Suivez les prophètes. Sikilizeni. Il dit ceci. Anasema hivi. Nous en arrivons donc maintenant à la conclusion. Comme le Logos, ça vit le Logos, éternel Dieu, Mungu a été manifesté dans le Fils. Et quand Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, comme cet être éternel était le Père manifesté dans la chair, Savile uyu mutu alikuwa ni baba wa milele mwali onekanishwa mumwili, obtenant ainsi le titre de fils, ndio akapata sasa hii cheo ya bumwana. De même, vile vile nous chi qui sommes éternels dans ses pensées, benye kuwa ba milele mufikara yake, nous sommes devenus à notre tour la semence parole, tunakuwa sasa na chie mbeku neno, composé de plusieurs membres manifestés dans la chair. Et inatungwa na viungo vya mingi vinaonekanisha sasa mumwili. Au commencement était la parole. Kumazo nous aussi nous étions semences parole. Chier na chier tulikuwa kambeku neno. Manifesté aujourd'hui dans la chair. Sasa tunaonekanisha leo ndani ya mwili mubatu ba mingi. Amen. Amen. Et ces pensées éternelles qui sont maintenant manifestées dans la chair sont des fils de Dieu. Sasa na hii mafikara ya milele enye inaonekanishwa leo mumwili ni batoto banaume na banamuke ba Mungu. C'est ainsi que nous sommes appelés. Ni mwina muna njo shitu na kui. Nous ne sommes pas devenus la semence par la nouvelle naissance. Aina sema tunakuwa mbeku leo kupitia kuzalikwa kwa mara ya pili. Mais nous étions la semence. Lakini tulikuwa ka mbeku. C'est pourquoi nous sommes nés de nouveau. Ni njo kwa ile sababu leo tunazalikwa mara ya pili. Car kwani seuls les élus peuvent naître de nous. Mpaka bateule tu ndio wanaweza kuzalikwa mara ya pili. C'est parce que nous étions la semence. Ni kwa sababu tulikuwa kama mbegu. Nous avons pu être vivifiés. Na ndio kwa maana tunaweza tena kurudishwa kutiliwa uhai. C'est une semence. Ni mbegu. Qu'on peut vivifier. Enye wanaweza kurudishi kurutupatia uhai. Je vois aussi d'autres qui ont des problèmes de naissance, on trouve vos semences ne sont pas n'ont pas de beaucoup de vitalité. Vous avez déjà qui a déjà entendu ça? Kuko bengine banaweza kusavile leo banaweza kuambia sema no tunaona sema uzazi wako hauna na nguvu kwa sababu na banakupatia madawa ya kupatia nguvu, yani mbegu iko hako ene pepe fekonde lakini haiwezi kupatia na mimba pour vivifier. Sasa banakupatia madawa juu ipate nguvu que ça ait la force na ikue na nguvu ya kwenda na nguvu. C'est comme nous aussi, njoo vile vile na wewe. Nous sommes tombés. Tunanguka. La parole, la puissance vivifiante. Neno. Elle vient vivifier les semences. Inakuwa inaleta uzima ndani ya mbegu. Dans le message, c'est le lever du soleil. Il dit le soleil. Mapambazuko. Il dit le soleil. Anasema jua a été envoyé. Ilitumwa pour vivifier
les semences. Dieu a kuleta uzima mumambeku. Le soleil n'a pas été envoyé pour vivifier des pierres. Na jua ikutuba jua kuleta uzima mumajiwe. La pierre sera toujours une pierre. Jiwe tabaki apaka jiwe. Mais là où il y a la semence, lakini fashi kuna kwa mbeku. Quand le soleil frappe, la semence a la vie. Unaona ile mbeku inaonekanishwa. Amen. 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 Il faut que les semences soient là. C'est pourquoi il dit que c'est parce que nous étions la semence que nous avons pu être vivifiés. Dans ce qui n'est pas, dans ce qui n'est pas de la semence, il n'y a rien à vivifier. Amen. 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 Oh, j'aime aussi ça. 146. Oh, je suis en déterminé. Un fils de Dieu. Mutoto wa Mungu. Peut mettre longtemps à reconnaître qu'il est un fils. Anaweza kufanya muda mrefu sana juu ya kufika na kutambua sema eko mtoto wa Mungu. Il ne sait pas. Ashikujijue. C'est comme nous. Iko sachie. Nous étions là dans le monde. Tulikuwa mudunia mule. Nous étions là faisant des fétiches. Tugonazo fama madama madawa mafumu. Pour gagner au football. Unaenda fama madawa unaenda kuwinda kwa bumbu. Taper les autres. Unakumbikunafanya ya madawa chako waanze kupika benjako. Les autres même fumer. Bengine balivuta tumbako mbangi. Unatingiza na kichwa. Vous ne saviez pas. Aukujijue. Le diable vous a trompé. Shetani ndio alienda na kutanganya. Vous étiez dans une compagnie. Ulikuwa na barafiki tu babaye. Un jour. Lakini shiku moyo. Tu as entendu la trompette. Unashikia ko baragumu. Alléluia. Alléluia. Les cigarettes sont tombées. Tumbako inaanguka. Les fétiches sont tombées. Ile madawa yote unatupa. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'il dit. Ndio kile anasema hapa. Un fils de Dieu. Mtoto wa Mungu. Peut mettre longtemps à reconnaître qu'il est. Anaweza fanya muda mrefu cha kutambua sema kwa mtoto wa Mungu. En effet, beaucoup de vrais chrétiens ba Christ ba kweli ressemble à l'aiglon de l'histoire. Banekaga benye kufanana na huyu mwana tai wa mwadisi ile naletaka. Il avait close aux Saint-Paul. Ule mwenye alizalikuwa kama mbaba. Vous savez que l'aigle est un type du vrai croyant. Unajua sema tai ni mfano ya mkristo wa kweli. Eh bien, un fermier avait pris un œuf dans un nid d'aigle et l'avait mis sous une poule. Mulimaji mwali bebaka liai ya tai anaenda kuwekea yuko. Le moment venu, wakati ka tous les œufs qui étaient sous la poule ont éclos. Mayai yote yalikuwa chini ya kuku ikatotoka. Les poussins s'entendaient bien avec la mère poule. Bifaranga bilaanza kupatana mzuri na mama na mama. Mais n'arrivait pas à se faire. Lakini huyu mwanatai ashwanze yeye kuelewa kitu. Alafu akakete mwile namuna kukekea. Et de chercher la nourriture en grattant dans des tas de. Na kutafuta chakula mkwenda na salula moyalala. Il arrivait quand même à se débrouiller pour survivre. Lakini tu ayeku isha laanza kujitatalo. Mais il était déboussolé. Lakini ashikwe na yu hata kwenda. Lakini shiku moe. Très haut dans les airs. Kule yulu kabisa mawinguni. La mère aigle qui avait pondu l'œuf. Ule mama tai mwali tegaka ile liai aperçoit cet aiglon. Akaona ule mwana tai sur le sol. Chini pa udongo. Et la mère aigle amorce une vertigineuse descente. Na mama tai akashuka kwa haraka kabisa sana. Et lui trompette. Na anamulirishia baragumu. Pam pam pam. Tu n'es pas une poule. Wewe hauko kuku. Tu n'es pas de ce monde. Wewe hauna wa mudunia. Sortez du milieu d'eux. Toka miongoni mwabo. Séparez-vous. Achana nabo. Chanta tu ah unashika eh. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ule ni mi. Lui trompette. Anamuririshia baragumu. Amen. Amen. De tous ses poumons. Na nguvu yake yote. Amen. Amen. Et dit. Nanasema. Et s'envoler pour monter le rejoint. Ananamwambia luka panda. L'aiglon n'avait jamais entendu trompeter un aigle. Na ule mwana tai alikuwa ashikiaka tai kulia. Quand il entend ce cri pour la première fois. Wakati tulishika ile lalamiko juu ya mara ya kwanza, il y a quelque chose en lui qui remue. Kulikuwa kitu fulani ndani yake kinachangamuka. C'est comme toi pour la première fois tu entends le message. Iko sawa wewe juu ya mara ya kwanza unashikia ujumbe. Ça.
C'est la vérité. Ça, c'est moi. On parle de moi. Ça me concerne. Cet aigle. Outaï. N'avait jamais vu sa mère. Cet aigle-là. Il était dans un œuf. Il est né dans un poulailler. Avec des poussins. Lui ne savait rien. Il ne connaissait pas son sort. Mais Dieu. La mère aigle, c'est Dieu. Mama taï mungu. Il te voit là-bas. Nous sommes au jour de la voix du septième ange. Dieu est souverain, il utilise n'importe quel moyen. Peut-être ton ami t'invite à l'église. Peut-être que tu entends un cantique du message. Tu entends ton nom là. Amen. Amen. Il n'avait jamais entendu tromper. Mais quand il entend ce cri, il y a quelque chose en lui. Alléluia. Alléluia. Il voudrait s'élever pour elle. S'élancer vers elle. Mais il a peur. Il a peur d'essayer. Et de nouveau la mère pousse encore. Amen. 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 Il répond qu'il a peur. Encore une fois, son appel en lui criant d'essayer. Essaye de battre. Essaye. C'est toi cet éclat-là. J'arrête ici les volants. La divinité restaurée à l'homme. Bien aimé frères et sœurs. Jésus nous a rachetés. On rachète quelque chose pour la ramener à son état. Comment on a combo à qui tout fulani ni kukirudisha mwile ali ilikuwaka kumbele. Nous étions des enfants de Dieu. Tulikuwaka batoto ya Mungu. Nous verrons. Quand on va parler de la manifestation maintenant. Wakati tutasemeje kwa kuonekanishwa. Vous n'êtes pas n'importe qui. Wewe uko mtukana yoyote. Je ne suis pas n'importe qui. Mimi siko mtukana yoyote. Je suis un fils. Niko mtoto wa Mungu. Alors. Te abuvi denanyo. Pour enlever mes péchés, quand moi j'étais dans ce monde, Jésus-Christ est mort pour moi. Dieu a pourvu d'un agneau pour enlever mes péchés, quand moi j'étais dans ce monde. Jésus-Christ est mort pour moi. Aie pitié de moi, aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, enlève, enlève de mon cœur. Oh, toute l'incrédulité. Aie pitié de moi. Jésus.
désir de ces hommes égarés. J'étais comme Bartimée, un aveugle dans ce monde, vivant selon le plaisir de ces hommes égarés. Aie pitié de moi, aie de moi, Jésus, Fils de Dieu, m'enlève, enlève de mon cœur, oh, toute incrédulité. Aie pitié de moi, aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, m'enlève. Mais la lumière apparut au temps du soir, mes amis. Le Seigneur m'ouvrit les yeux, et maintenant je peux voir. Et la lumière apparut au temps du soir, mes amis. Le Seigneur m'ouvrit les yeux, et maintenant je peux voir la colonne de feu. Oh, et maintenant je peux voir la colonne de feu. Et maintenant je peux voir le baptême du Saint-Esprit. Oh, et maintenant je peux voir le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant je peux voir le septième sceau. Et maintenant je peux voir le septième sceau. Et maintenant je peux voir le Saint tonnerre. Et maintenant je peux voir le Saint tonnerre. Et maintenant je peux voir. Aie pitié de moi, aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève, enlève de mon cœur, oh, toute incrédulité. Aie pitié de moi, aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève, enlève de mon cœur, oh, toute incrédulité. Thank you.
Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. La lumière à Paris, au temps du soir, mes amis, le Seigneur ouvrit les yeux, et maintenant je peux voir. Mais la lumière à Paris, au temps du soir, mes amis, le Seigneur ouvrit les yeux. Et maintenant je peux voir la colonne de feu. Et maintenant je peux voir le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant je peux voir le septième sceau. Et maintenant je peux voir le sept étonné. Et maintenant je peux voir. Aie pitié de moi, aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève, enlève de mon cœur toute incrédulité. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Nduku yangu, dada yangu, kama bado hauya itikaka Bwana Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako binafsi. L'occasion vous est offerte ce matin. Bahati hii inakupewa hii asubuhi. Si vous avez entendu le son de la trompette, kama tu ulishikia hii mulilio ya baragumu, et que quelque chose vous a dit en vous que c'est la vérité. Vous avez mis longtemps pour reconnaître que vous êtes un fils de Dieu. Si vous n'avez jamais pris position pour la parole, vous n'avez jamais pris votre baptême, l'occasion vous est offerte. Si vous voulez donner votre vie à Christ, levez votre main. Si vous voulez accepter le Seigneur comme votre Seigneur et Sauveur personnel, je vois les mains levées là-bas. Descendez, venez ici à l'autel, venez. De n'importe où vous êtes approchés, venez à l'autel. Venez à l'autel. La Bible déclare que si vous entendez sa voix, n'en dirigez pas votre cœur. N'ayez pas honte de Jésus. Venez donner votre vie à Christ. Vous serez aussi manifesté comme un fils, une fille de Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère. Approchez rapidement. Surtout vous qui êtes au balcon, vite, vite. Que Dieu te bénisse, mon frère. Nduku mungu akubariki. Ata yozali mabe ndenge nyonso akobenga yo kaka oya epai na ye. Que Dieu te bénisse, mon frère. Nduku mungu akubariki. Sous-titrage
Septième ange. Cette trompette nous a appelés à cette lumière du soir. Il avait été dit qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de sa trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Nous avons vu ce grand mystère de Dieu. Mystère qui était caché dans tous les âges et en tout temps, mais qui a été maintenant révélé, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Seigneur Jésus, béni soit ton nom, Père. Merci pour la révélation de qui nous sommes. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous étions des pensées éternelles. Nous étions des pensées en toi, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes manifestés. Seigneur, juste que la puissance du Saint-Esprit puisse nous vivifier afin que nous puissions être des images de Christ, des témoins vivants, des témoins de Jésus-Christ sur la terre. Bénis cette parole dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Bénis ces âmes qui ont répondu à l'appel. Il y a 4 hommes et une sœur, une femme. Il y a 5 âmes devant toi. Je te les recommande, Seigneur. Ils ont peut-être mis longtemps à reconnaître qu'elles étaient des fils, des filles de Dieu. Et la trompette qui a sonné leur a fait connaître leur identité. C'est pourquoi ils sont venus à toi. Seigneur, elles vont prendre leur baptême.
que tu puisses t'occuper de leur vie pour faire d'eux des vrais fils, vraies filles de Dieu. Que chacun de nous qui avait déjà pris position pour ta parole puisse être affermi, Seigneur. Quand cette divinité entre en nous, elle expulse de notre cœur tout ce que toi tu n'as pas créé, tout ce que l'ennemi avait placé. Cette divinité nous rétablit, nous restaure, nous rétablit dans notre héritage. Seigneur Jésus, fais que cet héritage soit notre possession. Nous ne voulons pas seulement confesser, mais nous voulons posséder la chose. Que cela soit une réalité, c'est notre prière. Nous te dédions, même, oh Dieu, les journées de prière de la semaine, programmées pour la semaine prochaine, pour que nous puissions venir afin d'avoir cette foi parfaite pour croire ce que ta parole a fait de nous et marcher avec assurance dans ce monde. Tu nous as ramenés à la vie. Tu nous as, oh Dieu, rétablis dans notre héritage. Nous voulons vivre le plein salut, vivre en parfaite et très bonne santé, vivre le bonheur, vivre dans la paix, vivre dans la joie, vivre, oh Dieu, les bontés de l'Éternel. Que cela soit notre vie de tous les jours. Vivre dans la communion parfaite avec toi, notre Père. Oh Seigneur, viens Seigneur Jésus, viens habiter en nous dans une certaine mesure, parce qu'en nous tu habites dans une mesure, mais en Jésus c'était toute la plénitude, c'était Dieu sans mesure. C'est notre prière, Père. Accorde-nous cela, Père. Nous te disons merci et nous t'adorons, Père. Nous t'adorons car tu es notre parent rédempteur. Tu nous as rachetés de l'enfer. Tu nous as rachetés de la mort. Tu nous as rachetés de toute maladie. Tu nous as rachetés, oh Dieu, des soucis. Tu nous as rachetés, Seigneur, des infirmités. Et tu nous as franchis, Seigneur. Nous sommes libres. Nous voulons vivre dans la liberté des fils et des filles de Dieu. Bénis cette parole dans nos âmes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Sœur, attendez. Dada chunga kwanza. Frères et sœurs, juste quand on sort, vous allez rentrer. Wakati batote batatoka, mutarudia mulikala. Alors, un de nos diacres viendra s'entretenir avec vous. Vous pouvez prendre aussi même votre baptême aujourd'hui même. Il y a des habits de rechange. Hein? Quand tout le monde sort, vous rentrez, vous mettez. Ok, que Dieu vous bénisse. Acclamons pour ces âmes. Tushangile joie manasi.